Salut! Aujourd'hui est un grand jour. Et oui, parce que depuis juillet, j'attends ce colis. Juillet. Depuis la mode, en fait. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Bon, évidemment, c'est pas sponsorisé, hein, c'est tout 100% ma carte bleue. Mais c'est une pépite. C'est une pépite. Vous ferez pas du tout attention à ma dégaine, je ressemble absolument à rien. Mais je pouvais pas attendre. Ça fait trop longtemps que j'attends, je pouvais pas attendre. Et je me suis dit, vas-y, je peux pas leur faire ça, faut qu'on l'ouvre ensemble quand même. Je suis gentille. Le contentement dans ma voix, si sinon bah tant pis, parce qu'il est vraiment là le contentement. Alors on commence déjà avec la sangle qui est juste trop belle. Je vous fais les petits close-up après. C'est donc une sangle pour monoquartier. Parce que oui, la selle que j'ai commandée, c'est une selle monoquartier. C'est le modèle Schillertalab. Ah, je suis trop cool, c'est trop beau. On dirait que c'est Noël. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est la pépitasse. C'est là. Pépitasse. Est-ce qu'on en parle tout de suite ou non? Je la mets sur le côté, je fais durer le suspense. Par contre, les chats, vous allez pas les toucher pour voilà, je suis une influenceuse en carton, je vous jure. Alors, déjà. Il est donné avec la selle le petit pochon pour entretenir du coup les cuirs. Chose que je vais devoir faire là tout de suite en fait avant d'utiliser la selle. Il a laissé reposer 12 heures si j'ai bien écouté la leçon. Il y a du coup le Bellara Leisure Balsam. Je sais plus ce que c'est, je crois que c'est. Je sais pas si c'est du sérum sérine. Non, c'est de la graisse. De la graisse pour la selle. Ensuite, j'ai l'huile pour bien hydrater et avec, évidemment, il donne toujours le petit gant pour entretenir sa selle. Voilà. On est content d'avoir ça, hein, oui. Ça, c'est le petit pochon de vous. Ensuite, du coup, je vais peut-être appeler pour gagner. Ensuite, nous avons des étrivières monobranches avec branches larges. Ça, c'était mon souhait parce que j'en ai jamais eu, mais apparemment, c'est trop bien. Pareil, je fais un close-up juste après. Et en dernier, notre pupitre. Alors ça, j'avoue, j'en mets pas à Scarlett. Mais je me suis dit, allez, vas-y, prends-en un. De toute façon, c'est maintenant ou jamais. Donc, je lui ai pris un collier de chasse 5 points, comme si on courait les internationaux au calme. Et je l'ai pris, du coup, j'ai pris le marron. J'ai pas pris le vert de beaucoup, même si je suis très corporate, on va éviter. Hein. Et voilà. Et des branches de martingale, je n'en mets pas, je les enlèverai. Le cuir, il est juste dingue. Le truc, il est neuf, je vous jure, regardez. Il est tout mou. Il est de super qualité. Bon, roquette, je n'ai pas besoin de toi, roquette. Voilà. Et bah c'est tout. Allez, salut. Non, je rigole, il reste la selle. Hein. Ouais. J'allais pas vous faire ça. Alors. J'ai le petit mot de beaucoup.
avec la petite notice d'entretien du cuir. Ça peut toujours servir. Je vous jure, j'ose même pas l'ouvrir. Vous savez pas ce que ça fait d'attendre pendant aussi longtemps depuis les championnats de France votre selle. C'est super long. Du coup, quand on la reçoit, on est comme des gosses à Noël, quoi. Surtout que entre nous, c'est le plus gros cadeau que je me suis jamais fait de toute ma vie, je crois. Dites-vous, la selle coûte plus cher que mes deux chevaux réunis. Ça fait peur. Ou alors c'est juste mes chevaux qui ne coûtent pas trop cher. Alors. Oh, elle est tellement belle. Ma zette, elle est tellement belle. Donc évidemment avec la housse imperméable, qui est quand même vraiment pas mal non plus. En plus, je crois, oui, on peut monter avec. On a les passants pour les étriers en cas de pluie ou quoi. Les gars! Yeah! Oh là là. Ah, mais je vais jamais savoir attendre 12 heures avant de l'essayer sur Scarlett! Et puis, vous avez vu, j'ai pris la petite personnalisation avec les strass. Oh. Je vous jure, c'est un bijou. Je sais même pas. Elle va changer de couleur apparemment quand je l'aurai dressée, elle sera plus foncée. Donc c'est la dernière fois que vous la voyez cette couleur là. Attendez, je vais vous la montrer. Voilà. Ah, elle est trop belle, elle est trop belle. Vas-y, elle est trop belle. Je vais pas m'en remettre. Donc c'est la Chiberta Lab de chez donc Devoku. C'est une selle neuve sur mesure. Le commercial a bien pris le temps de regarder sur Scarlett. Il m'a regardé monter, il a mis des cales sous la selle et tout ça parce que bon, elle a un dos très très spécial. On voit que devant c'est beaucoup plus rembourré que sur une selle classique. Derrière également, il a un peu surélevé pour que ma position ça aille bien. Enfin bref, il a fait toutes les mesures nécessaires. Je vais pas vous parler de trucs techniques parce que j'y connais rien. Mais oh là là là, elle est trop belle, c'est un bijou. Un bijou. Je suis ravie. J'ai pas eu. Donc moi, si jamais vous voulez le nom d'un commercial, j'ai eu affaire à Ricardo. Top. Top. Franchement top. C'est vraiment ce que je voulais. Il a su être bien attentif à l'écoute et tout. Il a écouté ce que je voulais. Il a pas forcé la consommation. Il a réussi à nous trouver vraiment la celle qui nous conviendrait. Et je suis trop contente. Vas-y, je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire parce que franchement elle est trop trop belle. Et n'hésitez pas aussi à me dire quelle selle vous avez vous, quel modèle, quelle marque et tout ça. Et si vous voulez, je vous ferai une petite story time sur mes essais de selle à la mode parce que j'ai des pépites à raconter quand même. Donc je me ferai un plaisir de vous raconter une petite story time. C'est le moment de voir. C'est la salle du jour. La place au garrot. Je pense qu'elle pose bien. Hein. Regarde, elle pose bien dans le plat et tout. Hein. Ouais. Avant. Ok.
On est trop trop contente de la nouvelle TL. Elle est trop trop bien. Franchement, c'est tout ce que je voulais. Et Scarlett, elle gagne énormément en mobilité. Je suis trop contente. Franchement, c'est un plaisir.